Allez, et salut, ça y est, dernier live de la journée, dernier live avant les vacances, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur MotoGP 2017, cinquième live de la journée, les amis. Nouveau jeu, MotoGP 2017 sur PlayStation 4. On est en mode manager, voilà, mode manager. Voilà, il faudra toujours me dire, comme d'habitude, le son du jeu, s'il n'est pas trop faible ou trop fort, et par rapport à ma voix, voilà, tout simplement. Et là, on est en mode manager, donc du coup, vous pouvez voir que mon personnage, c'est Akane Mizuno. C'est une femme, mais avec une skin d'homme, en fait. Vous verrez. Elle a les cheveux longs, tout ça, bon, ça se voit pas derrière le casque, mais elle a la carrure d'homme. Voilà, ils ont pas fait de carrure de femme, en fait. Bon. Pour contrebalancer, j'ai fait une moto rose, ça vous verrez bien. Et Lucia Martinez, c'est ma coéquipière, voilà. En tout cas, je suis devant elle pour l'instant. J'ai fait deux courses, une ou deux courses, je sais plus. Dans ce mode manager, on est en moto 3, donc du coup, les plus petites. Et on commence comme ça, voilà. Et on gère vraiment toute l'écurie, que ce soit les pilotes, le garage, les recherches et développement de la moto, les pièces, comment vous allez investir votre argent, etc. etc. C'est pas mal du tout. Donc du coup, allez, Grand Prix de Argentine. Allez, c'est parti, prochaine course. C'est celle-ci, cinquième semaine. Voilà, j'ai fait une seule course, en fait. J'ai fait qu'une course. Je crois que j'en ai fait deux, mais non, j'en ai fait qu'une. Ok. Allez, on continue. Je peux y aller. Activité. Pourquoi je peux pas y aller? Pourquoi je ne peux pas y aller? Week-end suivant, voilà, j'ai cliqué sur calendrier en fait. Voilà, lancer la course, option de la course, mode de jeu, qualification et course, IA moyen, longueur 25%, donc 6 tours. Voilà, on va aller directement dans ce mode manager que je trouve vraiment très intéressant et assez poussé finalement. Lancer la course, vous allez voir ma belle moto toute rose, rose et blanche. Voilà, j'ai fait une team de femmes, mais bon, ça se voit pas que ce sont des femmes, hein. On pourrait croire que c'est des hommes sur des motos roses en fait. Vraiment la carrure d'homme, vous verrez bien. Ah là là. Bon, pour l'instant il pleut, mais il n'y a pas de tonnerre, donc il n'y a pas de chance que ça coupe. Donc du coup, ça c'est cool, on va pouvoir faire le live tranquillement, sans prise de tête. Et pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, bonjour à vous aussi. Et voilà, vous allez voir un peu de quoi il en retourne de ce MotoGP 17, qui est vraiment sympa. En tout cas, j'aime beaucoup. Bon, là je vais jouer sans son, ça va faire bizarre sans le son, mais c'est pour pas que ça fasse des interférences avec le micro. Grand Prix de Gran Premio Motul de la République Argentine. Ah. Ok, on est bon. Tout est bon. Voilà. Allez. On est chaud. J'appuie. C'est pas très grave. Continuez. Pour les qualifications, il fait beau. Regardez ma belle moto rose. Mais j'ai une carrière d'homme. Carrière d'homme. Rejoignez le circuit. C'est parti. On va essayer de faire une belle qualif. Même si on commence vraiment avec une moto pas terrible du tout et vous allez voir c'est pas très puissant, il faut l'améliorer au fur et à mesure, on y va. Ça c'est bon. Allez, on commence avec une petite vue classique. J'aime beaucoup cette vue. Parce que la vue bulle est injouable, je trouve, pour l'instant. Je suis débutant sur le jeu, donc du coup assez injouable. On va faire chauffer les gommes et après on fera un tour vraiment à fond les ballons. Allez, on y va. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. J'ai pas de retour pour l'instant, donc on verra bien. S'il y a quelqu'un qui passe par là, dites-moi si le son du jeu est fort par rapport à ma voix. Il faut quand même que vous entendez le jeu, sinon c'est pas terrible, terrible sinon. Allez, on y va, on fonce. J'ai pas de son, c'est bizarre ça, de jouer à un jeu de moto sans son. Ok. Parfait. À peine grosse moto, donc du coup niveau performance c'est pas terrible déjà, donc il faut se batailler pour être toujours dans le top 20. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Allez, on fonce. Allez, allez, allez. Tourner sur la moto comme ça, voilà, ma petite moto rose. Attention au virage. Attention au virage. Pas de bêtises, pas de bêtises. J'ai pu freiner, mais j'ai pas des super freins non plus. Allez, allez, allez. Michelin. À fond. Allez, accident de Toba. C'est qu'au début, c'est quand même chaud au début parce que bon, la moto est faible, on a un pilote pas assez expérimenté,
on connaît pas le jeu et on doit vraiment batailler pour rentrer dans les points. La première course, j'ai fini 15e, pile poil un point. Mais qu'est-ce que c'était dur! Et puis j'ai mis l'usure des pneus aussi. Donc, du coup, au fur et à mesure que vous avancez dans les tours, les pneus se dégradent au fur et à mesure. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. Salut Conrad, bienvenue à toi sur ce live. J'espère que tu m'entends bien, que le son du jeu n'est pas trop fort. N'hésite pas à me le dire. Et on est en mode manager, c'est la deuxième course là, donc on découvre le jeu, presque. J'ai fait une team rose, c'est une femme mais avec une skin d'homme. Ils ont pas fait de skin de femme en fait. Ils ont juste fait les têtes de femme mais pas de skin. On dirait plus un homme quoi. Et on débute en moto 3 avec une moto qui est pas terrible du tout. Comme tu peux le voir, ça avance pas terrible. Elle est pas... On doit vraiment batailler pour être dans les points. Et là c'est vraiment la qualification. Allez à fond. Allez. On va essayer de faire un bon deuxième tour, mieux que le premier, parce que le premier était pas terrible. Et on peut changer les vues comme on veut avec le pavé tactile. Alors je te dis pas la vue casque, mais c'est injouable. Injouable. Truc de fou. Tout nickel, son de ta voix et la vidéo. Nickel, le jeu est beau. Tu joues sur quoi? Je suis sur PlayStation 4. Sur PS4. PS4 Pro du moins, si tu veux avoir plus d'infos. Le jeu est joli, oui, tout à fait. Il est joli. Ah, j'ai voulu faire un personnage de femme, mais bon, ça ressemble pas à une femme. Et j'ai fait une team de femmes. J'ai même choisi ma coéquipière. C'est sympa cette possibilité, mais... Allez, j'ai fait une moto rose. On n'a pas peur du ridicule. Allez. De toute façon, on peut la modifier comme on veut, et ça c'est bien. Attention, Canet. C'est le leader du championnat, je crois. Je crois que c'est lui qui a gagné la course la dernière fois. Pas de soucis, Conrad, pas de soucis. Je crois que je l'avais noté en bas à gauche, avec mon Twitter. Allez. J'ai même pas fait mieux que le premier tour. Ah si, je fais mieux. Allez, hop, on va redémarrer, on va retourner au stand, on va faire avance rapide, comme ça on va aller voir la course. Ce sera pas un gros live, ce sera une demi-heure, trois quarts d'heure, histoire de vous montrer un petit peu le mode manager. Qui est pas mal du tout. Alors, la séance, on peut la lancer, passer le temps, oui. Et là on reste appuyé. C'est parti. Et on va voir combien on finit au niveau du classement. Je suis combien pour l'instant? Je suis 14e pour l'instant. Je n'ai pas fait un si mauvais temps. Il reste 5 minutes. Est-ce que je ressors pour tenter de l'améliorer? On va tenter de ressortir. On va ressortir. Retour. Rejoindre le circuit. On va tenter de faire un dernier tour pour essayer de l'améliorer. Pour voir un peu. Essayer de s'approcher du top 10. Allons-y. Pour l'instant, on est 14e. J'ai le temps de faire un autre tour, donc on va essayer. Au moins d'améliorer un petit peu. Ah, le jeu, en tout cas, moi, le peu que j'ai fait pour l'instant, le jeu, je m'éclate en tout cas. On va essayer de... Je monte un petit peu la vue. Voilà, on a un peu ce que ça donne, c'est un truc de fou. Allez, la moto 3, on avance. Ma petite moto. Parfait. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Restons concentrés. Il y a des beaux petits détails sur la moto, quand même. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup la vue. Où on voit la moto comme si on la conduisait. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf avec le casque. Mais quand tu tournes, tu vomis quoi. Je te montrerai ça peut-être tout à l'heure. Ah, la catastrophe. J'ai pas freiné assez. Puis j'ai pas des bons freins encore avec la moto. Parce que dans ce mode manager, on gère tout. Tout ce qui est pièces de moto, recherche et développement. Et pour l'instant, on commence avec une moto de merde, il faut le dire. Hein. Vraiment un truc de fou quoi. Allez.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis bon, ce qui est dur aussi, c'est que j'ai activé l'usure des pneus dans la course. Donc du coup, plus tu passes les tours, plus ça se dégrade. Et plus tu vois les motos te reprendre une à une, c'est chaud, chaud, chaud. Tu dois te batailler pour garder ta place. C'est vraiment la grosse bataille. C'est vraiment du challenge et c'est très très cool. Bah, je l'ai amélioré. Je l'ai amélioré, ok. Ouais. Premier sur 33? J'ai fait le meilleur temps? J'ai fait le meilleur temps là? Attends, j'étais 14ème. J'ai pas amélioré 2 secondes le temps, si? Ah, c'était une 56 tout à l'heure peut-être. Ah, j'ai peut-être me fait le meilleur temps. On va voir. Passer le temps. Ah, je suis vraiment premier, hein. J'ai fini premier! J'y crois pas! J'y crois pas, quoi! En qualification premier, quand même! Dès la deuxième course! Et pourtant, j'ai fait une belle erreur, quoi! Un virage assez large, le premier! Bon, mais c'est cool! C'est super, ça! C'est super, on va partir en pole position, mais ça va peut-être pas durer parce que les courses sont vraiment très difficiles! Re, c'est la première fois que je vois ce jeu! Salut Maxime! Re, Maxime, du moins! On s'est déjà eu! La MotoGP 17 est vraiment sympa! Là, je montre le mode manager. C'est le mode où tu gères vraiment tout. Tes pilotes, ta moto, les pièces que tu mets sur la moto, les recherches et développement, tout ce qui est amélioration, tout ça. Et tu commences avec une moto de merde comme j'ai là. Mais pourtant, j'ai quand même fini premier de la qualification. Donc du coup, il y a vraiment de quoi faire. Mais la course est quand même très difficile parce qu'ils sont assez agressifs. J'ai mis l'usure des pneus aussi, donc ça aide pas trop. On va essayer de batailler. Allez, je vise un top 8. Chaud, 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 cacao. Allez, on y va. Ma belle moto rose. Oh, dire que j'ai fini premier de la pole. Je suis en pole, quoi. Premier de la qualif. C'est parti. On reste concentré. Ma coéquipière, elle est où d'ailleurs? Elle est où? C'est Lucia quelque chose. Lucia. Non, elle est loin. Oh, elle est loin. Oh, le temps qu'il fait chez moi. C'est pas tonnerre, ça ira, mais. Non, c'est pas Herrera, c'est l'autre. Bah, elle est où? Ah, si, c'est Lucia Herrera. Elle est dernière, l'année dernière, quoi. Ok, trophée obtenu, un bon départ. Ah, c'est peut-être pour la pole position, ça, t'es. On reste concentré, les détails sur la moto sont vraiment pas mal. Allez, j'ai pas le son là, pour le départ ça va être tendu. Allez. Aïe aïe aïe. On va essayer de rester concentré et rester dans le peloton de tête, mais vous allez voir c'est très 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 dur. On a une moto pas top donc ça aide pas trop. Il y a des chances que je réussisse pas à rester dans le top 10, mais j'ai fait un hold-up là quand même, hein, avec cette pole position. Allez, on a 6 tours pour souffrir. On va souffrir, je vous le dis. Allez, on y va, on y va. Regardez-moi la troupe. Ils sont plus rapides, et bah, l'aspiration aussi, ça aide. Attention au freinage. Ah, ce virage, à chaque fois je le prends large. À chaque fois. Restons concentrés. Ce serait bien de prendre des points quand même, des gros points. La trajectoire, j'ai du mal à la tenir avec la moto. C'est trop tendu. Et voilà, on est déjà 11ème. Le but, c'est de rester pas trop loin de ce peloton. Voilà, bah, c'est bon, allez. Faut attention parce qu'une seule collision, t'es envoyé par terre. Hein. Faut attention.
Accident, c'est peut-être moi qui l'ai envoyé. Pas fait gaffe. Puis se dégager, oui. Allez, c'est bon. Deuxième tour. On est 8ème. J'ai dit top 8. J'arrive trop vite. À jouer sans son, c'est pas bon. Je commence à batailler avec la moto, c'est pas bon ça. Ah, je le sens, hein, qu'elle commence à déraper un peu dans tout va. Alors que ça va être au 6ème tour là, avec les pneus à l'arrache. Bon, j'ai le pilote qui se met aussi automatiquement dans la bulle. Hein. J'ai mis auto, mais vous pouvez le faire à tour manuel aussi. Hein. Là, pour bien débuter, j'ai fait comme ça. Ah, ce virage, sérieux. Allez. On est 10ème, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On reste concentré. C'est comme ça que tu perds des places facilement, mon gars. Fais gaffe. Je reprends du temps ici en fait. Dans ces virages là. Ouf. C'est là que je les ai doublés tout à l'heure. Tendu. Parfait. Troisième tour les amis. Ah, c'est chaud, hein. C'est très très dur. Ah, j'ai appuyé sur le champignon, okay. Sur le frein. Allez, on appuie. Ah, c'est comme ça. Allez, on rattrape. Ma moto de merde va vous dépasser. Allez. Les hommes McPhee, attention. Que je t'envoie pas en l'air non plus. C'est pas mon but. Là, c'est le gros virage. Faut appuyer là. On appuie. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça se bataille. Ah, j'ai la moto qui commence à. Ah, pas trop adhérer, elle se déporte un petit peu. Je veux même pas que je rentre derrière parce qu'il doit y avoir un troupeau derrière. Ah, quoi que. Si, il y a un troupeau. Attention, Danilo. Oh, c'est chaud. Voilà, c'est bien, là, c'est bien pris, là. Voilà, c'est bien pris, virage. Allez, quatrième tour. Bon, mais ça va. On reste dans le top 10. Ok, mise à jour de Ghost Recon, super. Je joue plus à ce jeu, une mise à jour, super. Il va falloir que je le désinstalle. Allez. Alors, on va prendre des points, les amis, je vous le dis, moi. Je lâcherai pas jusqu'à la fin. Objectif top 8, je l'ai dit. C'est jouable. C'est jouable. Mais là, on a quand même une moto. Comment ça se dégrader au fur et à mesure des tours. Là, j'ai trop freiné, mais ça passe, ça passe, ça passe. Non, ça passe pas. On va se batailler pour la 8ème avec les deux là. C'est chaud.
Oh, j'ai la gomme qui se laisse sur le bitume là. Allez, ne perdons pas trop de temps. Faut rester concentré quand même. On va mettre sur les trois autres là. On a un gros paquet là. Allez, avant-dernier tour. Cinquième tour, on est dixième. Ouf! Je commence à avoir chaud. Je commence à avoir chaud. Ah, c'est bien pris ça. Des fois, on a l'impression de rattraper alors que c'est pas le cas. Oh, je voulais pas t'emporter, j'aurais peut-être dû d'ailleurs. Non, je suis pas comme ça. Attention. Oh, je suis ressorti vite, j'étais obligé de freiner pour pas l'emporter. J'aurais peut-être pu m'appuyer sur lui, pardon. Parce que moi j'ai une moto qui se dégrade, mais eux aussi, hein. Donc c'est chaud. Allez, on freine. Je suis là les amis, vous pouvez compter sur moi jusqu'à la fin. La moto dérape de plus en plus. Regardez, on met un écart là, sur l'accélération. Et comme la moto a dérapé surtout. Oh, c'est pas bon. Ah bah là. Et voilà. Peut-être dit adieu à la 8ème place là. J'ai payé cash. Toi Suzuki, tu vas t'en aller, oui. Au moins la 11ème place, quoi. Que je prenne quelques points. Ouh là là, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Allez, dernier tour. Dernier tour. Prenons peut-être des risques, mais pas trop non plus. Accélère un peu plus. Attention à la moto quand même. Les pneus se dégradent. Ils sont là, hein. Voilà, j'ai accéléré trop. Ouhouhou, j'ai pu me rattraper. Oh punaise, regardez si je fais une erreur. Oh punaise. Je vais me battre les amis, je vais me battre. Non. Non, dernier tour, putain. Oh là là, catastrophe. Aïe. Et voilà. Bah voilà. Tra, c'est pas possible. La moto est pas encore au top, hein. Je me suis bataillé la première course pour finir 15ème pour avoir un point. Là, j'ai la pole position. Ça se dégrade au fur et à mesure des tours. Je fais des petites erreurs par-ci par-là. Et c'est de plus en plus difficile à contrôler la moto. Et voilà. Et on finit 31ème à cause de la chute. Ah, c'est pas fini, on va reprendre quelques places avant la fin quand même. Mais quel dommage pour cette course, mais quel dommage. Aïe. Ah, je suis dégoûté. C'est pas grave. Oh, d'accord, ok. Bon, je finis 27ème. Voilà. Bon, mais je suis déçu, les amis. Je suis déçu pour cette course. Ah, quel dommage. Pa. Canette ou Canet qui a gagné. Ma coéquipière, elle est où? C'est Alicia quelque chose. Lucia Martinez, elle finit juste devant moi. Ouais. Bah, c'est pas la joie. Ce n'est pas la joie.
Allez, on va faire continuer. On a quand même un point. Hein? Un point. Un point constructeur. Trophée obtenu, un week-end monstre. Sans blague. Non mais t'es sérieux là? Ah, parce que j'ai eu la pole peut-être. Ah, finesse, ça s'est joué à rien parce que je pouvais vraiment finir dans le top 10. Mais bon, ça, quand ça se dégrade, ça se dégrade. Ah, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Bon. Voyons voir que j'ai quand même j'ai pas eu de sous. Nouveau pilote débloqué, ok. Super, Alex Hoffman. Super. Super, super. Bon. Position de départ 1, je finis 27. Position de départ 32, Lucien Martinez a fini 26e. L'objectif de course était 20e pour les deux. Et position en championnat, je suis 18e. Et elle 28. Ok. Ça marche. On n'est pas top, hein. On n'est pas top pour deux courses. On a eu des crédits. Ouais, j'ai eu 26 crédits. Oh punaise. J'irai pas très très loin. Je sais pas avec ça que je vais améliorer la moto, hein. Veuillez patienter. Bon, je sais pas si vous êtes encore là les amis, que vous avez suivi la course. Je sais pas si le jeu vous plaît en tout cas, mais le jeu vraiment vous plaît et me plaît en tout cas moi en tout cas. Et c'est vraiment un très très bon opus, ce MotoGP 2017. Très prenant et très difficile finalement quand on fait un mode manager comme ça avec une moto qui est pas top dès le départ. Il faut vraiment l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est clair que pour l'instant, un point de course, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Allez, week-end suivant. Ça fait une demi-heure de live. Cours accéléré avec votre staff qui active une clause dans leur contrat. Bonus de semaine. Ok. Coordination. Programme d'entraînement. Exercice de coordination supplémentaire. Recevez un bonus d'expérience immédiat pour la capacité position du corps de tous vos pilotes. Ok. Coordination. Ok. La coordination, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok. Je sais, je vais vous montrer avant de finir ce live. J'avais dit une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est très bien, on a fait un week-end de course. Et je vais vous montrer un peu ce que le jeu propose dans les menus aussi. Allez, on va revenir dans les menus. Alors, vous avez un mode rapide. Vous pouvez choisir la course que vous voulez, le pilote que vous voulez. Je vais vous montrer. Le Grand Prix, le championnat, un contre-la-montre ou un écran partagé. Ça, c'est très très bien aussi. Il y a le mode écran partagé. C'est très cool. Quand vous allez dans Grand Prix, allez. Vous choisissez la course que vous voulez, hein. Toutes les courses disponibles. Licence officielle, bien entendu. Hein. Voilà. Il est où Le Mans? Le Mans! Le Mans, il est là. Voilà, il y a Le Mans. Vous pouvez choisir le pilote que vous voulez. MotoGP, Moto 2, Moto 3. Les Rookies Cup, catégorie historique. Ah, j'avais pas fait gaffe ça. Fais voir moi. Valentino Rossi 2002. Giberno 2003. Toru Okawa 2003. Ah, Team Yamaha, ouais. Ponce. Ok, vraiment pas mal. Troy Bayliss, Hodgson, McWilliams, Byrne, Marco Melandri de 2005, Max Biaggi de 2005. C'est cool. Franchement, ça c'est très très cool. Ok, après il y a quoi? Dans les catégories 500 de temps. Wayne Gardner de 92. Oh, ça me rajeunit pas, les amis. Oh. Eddie Lawson, Alex Barros, Kevin Schwantz. Ah, ça, c'était vraiment la bonne époque des 500 cm3. Wayne Rainey. Waouh. Excellent. Freddy Spencer. Daryl Beatty. Doug Chandler. John Kosinski. Mick Doohan. Oh, la légende. Mick Doohan. Excellent. Excellent. Kenny Roberts. Jeremy McWilliams. Valentino Rossi 2001. Il était déjà là. Quoi. Ça fait au moins 20 ans qu'il est là, le gars. Max Biaggi. Toru Okawa aussi, McCoy, Noriyuki Haga, je m'en souviens, ouais. Alex Barros, ouais, que des légendes. Il y a vraiment des légendes aussi, ça c'est très très bien, c'est très complet. Et ça c'est que le mode rapide. Vous avez une carrière de pilote, vous faites la carrière de votre pilote, tout simplement. Manager, c'est ce que je fais. Mon Grand Prix, multijoueur en ligne, les options. Faire mon Grand Prix, ce que ça donne. Personnalisation du pilote, personnalisation de la moto. Faire. Allez. First player, voilà. Vous pouvez faire votre pilote que vous voulez. Et le pilote que vous faites ici, il est indépendant du mode manager en fait. Voilà. Permis de conduire. Voilà, vous choisissez le portrait que vous voulez. Voilà, excellent.
Voilà, moi j'ai pris ce portrait là de mon manager, mais si je refais un autre pilote, ce sera peut-être. Ils ont une tête de vainqueur quand même. Peut-être lui. Je verrai. Je vais voir. L'équipement, le style de pilotage, vous pouvez choisir vraiment comment il prend les virages, tout ça, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez personnaliser la moto aussi, ça c'est très bien. Faire ce que vous voulez. On va cliquer sur celle-là par exemple. Personnaliser. Voilà. On peut mettre la couleur qu'on veut, la deuxième couleur, la troisième couleur. On peut mettre les sponsors, on va faire la livrée, voilà. Livrée, couleur principale, deuxième couleur et couleur des roues, voilà. Couleur principale, vous mettez ce que vous voulez, voilà. Bah, parce que j'ai mis rose, mais vous pouvez mettre bleu, voilà, violet, bleu, violet. Deuxième couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Voilà, ce que vous voulez, ce qu'il propose du moins. Vous mettez comme ça. Et couleur des roues, vous choisissez, voilà, comme ça. Faites ce que vous voulez. Hop, et vous pouvez mettre des sponsors aussi, c'est pas mal. Vraiment pas mal, vraiment très très bien. Au niveau de choix des modes de jeu, personnalisation, pas mal du tout. Et en mode multijoueur, on va aller voir ce que ça donne. Je suis pas allé. On va pas faire de course multijoueur, mais pour faire des grands prix aussi, des championnats. On peut même faire des saisons en coop. Ah ouais, bien. Ça, c'est très bien. En multijoueur en ligne, des saisons en coop. Ça, c'est très très bien. Et les classements. La saison en coop, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pour. Je vais demander à un ami. On va voir. Et option. Option des commandes, affichage audio, etc. etc. Il y a vraiment de quoi faire sur ce MotoGP. Voilà, les amis, on va s'arrêter là pour ce live. Merci à Maxime, Conrad d'être passé. J'en ai vu Slushy aussi qui était là. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et vraiment un très très bon jeu ce MotoGP 17. Voilà, pour ceux qui étaient là sur le live, je vous remercie. Pour ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de jouer à ce jeu, qui est vraiment pas mal du tout. C'est un jeu développé par Milestone et édité par Namco Bandai. Et voilà. Voilà, tout simplement. Un très bon jeu à faire absolument. Vraiment très technique, très simulation, surtout quand on commence le mode manager au plus bas, comme j'ai fait là. Très difficile, mais il faut persévérer. C'est. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne des courses au fur et à mesure de notre avancée. Merci à tous et à la prochaine. Ciao!